Je fais une thèse en sciences de l'information et de la communication à Dijon, au laboratoire Siméos, sur la communication sur la cuisine du quotidien. J'ai commencé par faire une licence de biologie écologie. En dernière année de la licence, je me suis dit « ouais, finalement, travailler là-dedans, je ne me vois pas trop faire ça ». J'ai décidé de me rapprocher plutôt de l'alimentation, parce que je suis passionnée de cuisine. Donc je suis rentrée en école d'ingénieur agroalimentaire. Au niveau de la cuisine, ce qui me plaît, c'est le côté partage, mais il y a aussi un peu le côté de vraiment faire la cuisine. J'aime bien passer 4 heures en cuisine pour faire des choses, trouver l'association de saveurs, trouver la bonne technique, le bon geste. Il y a un côté recherche qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour prendre du recul sur le travail qu'on peut faire. Je trouve qu'il y a un vrai intérêt à faire de la vulgarisation et aussi du coup pour pouvoir la communiquer, que ce soit à l'entourage, par exemple dans un congrès ou pour un entretien. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est assez sympa d'avoir une petite trace de la thèse. Ça permet d'avoir un côté un peu plus amusant autour de la thèse.